Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Si Facile. On se tutoie si tu veux bien. Si Facile, c'est un rassemblement de tutos qui vont t'aider à lire et à comprendre la musique. Donc, si t'es un grand débutant fan de Zik qui veut enfin s'y mettre, ou alors que t'es un ancien instrumentiste qui veut renouer le contact avec son saxophone, sa guitare, son piano, son violon, peu importe, bah t'es au bon endroit. Bon, si t'es un virtuose ou un chef d'orchestre, tu risques de t'ennuyer un peu. Mais tu peux quand même visionner mes tutos. Ça me ferait vraiment super plaisir. Alors autant te le dire tout de suite, tu t'en doutes vu qu'il y en a partout derrière moi, mon instrument à moi, c'est le piano. Tiens, il y en a un petit, juste là. Et il y en a un peu plus grand, juste là derrière. Alors il y en a un vraiment tout petit, hein, qui est là, mais c'est vraiment galère de jouer dessus. Du coup, je vais très certainement illustrer les notions qu'on va voir en solfège avec mon piano. Ça me paraît logique. Ouais. Et si t'es pianiste, toi aussi, ben, du coup, tu vas pouvoir apprendre des choses en solfège. C'est un peu le but de mes tutos. Mais aussi en piano. T'es content? T'es content? Je suis sûr que t'es content. Mais pas de panique. Ne pars pas. Reste ici. Si ton instrument à toi, c'est le pipeau, la cornemuse ou le sistre, tu trouveras quand même une utilité à visionner mes tutos puisqu'on va parler de musique en général et pas que de piano. Ah, je vois, tu ne sais pas ce que c'est qu'un sistre. Eh bien, moi non plus. Jusqu'à tout à l'heure. Parce que j'ai fait mes petites recherches. D'ailleurs, t'as très certainement vu ce qui vient de se passer quand j'ai dit sistre. Sistre. Ça le fait à chaque fois. Sistre. Sistite. Je t'ai eu. Bon, en gros, dès que je vais placer un terme technique ou un mot chelou, eh bien, il va apparaître comme ça. En rouge, en bleu, en pourpre, en vert. Ça, c'est moi qui gère. Ça rime, et il va atterrir en bas, dans la description, avec une petite définition. Ça rime encore! Du coup, ça te fait ton petit lexique à la fin, direct dispo en PDF. Tu cliques, t'imprimes, tu relis, t'es content. T'es content. Alors, en ce qui concerne le programme, j'ai une idée à peu près précise des vidéos que je veux faire et de l'ordre dans lequel je veux les faire. Tiens, par exemple, la semaine prochaine, je vais faire une vidéo sur l'écriture de la musique, la position des notes. C'est un peu le point de départ en musique. Ça tombe bien, c'est le premier tuto. Et j'ai envie d'y aller progressivement, pas te brusquer. J'ai pas envie de te parler des gammes chromatiques et des accords de septième majeur. T'en fous de ça, on n'en est pas là, ok? On va pas mettre la charrue avant d'avoir volé l'œuf du bœuf. Et je le répète, j'ai une idée précise de l'ordre de mes vidéos, mais si toi t'as une idée, une suggestion, tu la laisses dans les commentaires. Et voilà, c'était tout pour la petite présentation, donc on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le tuto sur écriture des notes, tu t'en souviens. Mais d'ici là, attention, ne triche pas, cherche pas dans les livres, c'est hyper relou. Sache aussi que je vais avoir besoin de ton aide et de ton soutien pour te fournir en vidéo chaque semaine. Je te demande pas grand-chose, mais simplement, tu peux déjà t'abonner à ma chaîne, et puis si cette première vidéo t'a plu, tu peux mettre un petit pouce en l'air, et moi je te donnerai un coup de pouce en zik, et tu verras, tu te diras qu'avec Will, c'est si facile. Allez, ciao! Hop hop hop, minute! Ne pars pas, t'es pas parti, hein? Y'a un truc qui me fait tiquer là, qui me fait dire que ma vidéo c'est de l'escroquerie pure et simple. Ouais, tu sais pas si je joue du piano en vrai? Parce que j'en ai derrière, mais si ça se trouve ils sont pas branchés. Bah ouais! C'est un petit peu comme si tu vas chez le dentiste et que le mec il a pas de dents. Tu vas pas lui faire confiance, j'en suis sûr. Bah moi c'est pareil. Si je te montre pas ce que je fais au piano, tu vas pas me croire, tu vas pas regarder mes tutos. Alors je vais te montrer 2-3 petits trucs, histoire qu'on instaure de la confiance entre nous. Alors viens! On arrête les blagues maintenant? J'espère que ça t'a plu, je me suis fait super mal. C'était tout ce que je voulais te montrer avant qu'on se quitte. La semaine prochaine, c'est tuto sur la position des notes, tu sauras lire la musique après. N'oublie pas le petit pouce en l'air, hein, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, je pense qu'on peut le redire, et tu verras. Tu te diras qu'avec Will, c'est si facile. Allez, ciao !